Et surtout, c'est ça. Quand vous avez des ennemis de groupe comme ça, ouais bon, c'est vraiment boucher, hein, mais enfin c'est vraiment le truc de boucher, mais... Hop, retour à l'envoyeur. c'est ça, c'est gore comme jeu, on est d'accord. Mais voilà, c'est l'arme la plus pétée du jeu à cause de ça, c'est parce que quand on l'envoie, ça envoie du pâté. Donc ça, bon, ça usage, enfin ça pseudo usage unique parce qu'on est, on est obligé d'aller le récupérer après l'avoir envoyé. Ah oui, ici c'est une... Ah oui. Salut. Ok, j'ai pas assez d'argent visiblement. Je peux pas en piquer un. Hein. Bon. C'est dommage, c'est qu'il lâche pas d'argent, moi. Il me faudrait du pognon. Que les flics m'arrêtent avec ça. Ça a pas l'air. Mais cette arme, elle one shot pratiquement tout le monde, hein. J'aurais bien envie de me faire les flics, mais bon. Ça c'est fait. Vous comprenez pourquoi ce jeu est interdit aux moins de 16 ans, n'est-ce pas? Bon, moi ce que je veux c'est du pognon. Mais personne n'a de pognon dans cette ville, sur lui. C'est dingue. Bon, ça doit être un bug du jeu. Bon allez, on va aller à la factory. Hop, je range ça. Mais voilà, c'est l'arme la plus craquée du jeu. Elle one shot tout le monde. Vous avez vu, même les flics, les tranquille.
par là. Je veux. Parce que mine de rien, Crochi m'en a mis plein la gueule. Hein? Je peux pas? Oh, dommage. Ah oui, mais il me semble que le marteau, il est aussi pas mal craqué. On va essayer le marteau sur quelqu'un. Il y a une machette également. Je n'ai jamais essayé la machette. Ouais, voilà. Bon coup sur la tête bien placé. Voilà. Il y a une mission comme ça samedi, bon je vous spoil un peu le jeu, mais où on doit descendre des vaches comme ça. Là il a un t-shirt de Running Utilizers, on va pas faire le con. Bon, ben je récupère pas de... On va essayer la machette. Ah ouais, c'est vrai ça. Voilà. Ah oui, si, je me souviens de cette arme aussi. Ouais, elle tranche tout le monde. En gros, là, c'est bon. On a chopé les armes les plus craquées du jeu dans le dans l'armurerie, quoi. Ok, tout va bien. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Tiens, essaye de tirer avec les deux bras en moins, toi. Cette tuerie. Massacre à la hachette. Ah ouais, machete! En gros, au corps à corps, on défonce tout le monde, là. C'est ça qu'il m'aurait fallu en fait dans le... Bon, la factory... Ah merde, en plus la factory elle est là. C'est ça, hein? J'y suis à la factory là. Non, c'est pas ça, mais je dois pas être loin. Ah, ok, d'accord. Napalm Industries, ok, c'est marqué dessus. Ah, c'est ça en fait. Je dois aller par là. Ok. Ça c'est vraiment efficace, hein. Je one shot quoi. On l'appelait la machette. Napalm Enterprise, hein? C'est Enterprise? Ah non, Entrance, ok d'accord. Ah oui, alors par contre, il me semble que c'est relativement chaud, c'est le cas de le dire, parce qu'il y a du feu partout.
some napalm. Fuck you. Hi. Hi there. Hello, miss. I need to buy some napalm. To kill weeds in my lawn, as far as you know. That'll be $300. Attends, j'ai bien entendu 800. Il me faut $800. Ok, j'ai compris le principe. Donc en fait, non, c'est pas le... Bon. Quitte à faire, on se fait un meurtre de masse. Hein. De toute façon, c'est le principe du jeu. Hein. C'est de faire un méga meurtre de masse. Hein. Ouais, c'est là qu'on se dit qu'en tout easy, voilà quoi, ça se fait vraiment rapidement quoi. Il me semble que de mémoire c'est par là. D'accord, ok. Faut suivre les flèches. Hein. D'accord, en fait, là, on est juste en dessous. Là, on peut certainement partir par là. Ouais, à droite, ok. À gauche. Voilà. Une petite coupe de printemps. Voilà. Time to partay with Mr. Napalm. Ah oui, c'est ça, il y a un mec qui dégueule sur le système électrique et ça fout le feu à tout. Ça fout le feu au napalm. Plus bien.
passer par les tuyaux. Ouais, bon, ouais, je suis mort. Ouais, je suis mort. Bon. Quoi? Ah non, faut tout refaire! Ah non, merde! Ah, je pensais qu'il y avait une sauvegarde automatique, moi! Bon, ben... coupure! Ok, je viens de faire une petite sauvegarde rapide. Donc... La mémoire, je vous le dis, il faut qu'on saute... Moi qui peux sauter d'abord là-dessus. Ouais, c'est ça, faut sauter là-dessus, puis... Ah! Bon, l'avantage, c'est que là... Réglé. C'est un petit temps de chargement, et c'est réglé. À moins qu'il ne faille passer par ailleurs... Et si je passe par là, je me fais cramer par le tuyau. Ah, on marque là-bas aussi. Non. Ah, oh, c'est pas vrai. C'est F6 hein, pour le... Non, c'est F7. Ok. Load. Ce que je voulais, c'était éventuellement, c'était passé... En pizzer. Non. Hop, là c'est en fusion, donc c'est mort. Non, 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 je meurs instant. Ok, d'accord. Je tente instant, ou alors faut que je passe en... En trichant. Enfin, en trichant. En pseudo-trichant, c'est-à-dire j'ai 8... J'ai 8 pipes. Moi, faut sauter là-dessus. Voilà. Là, pas trop pire. Voilà, il y a ça là-bas. Là-bas, faut choper le tuyau. Voilà. Choper le tuyau et... Voilà. Donc, ça, donc je suis là. Je peux pas passer par là. Est-ce que je peux... Je peux passer par là non plus. Ok, donc c'est pas par là. Il y a ça, je me souviens. Donc là, il y a ce passage chiant là. Pas chiant. Ok. Ouais, ok, c'est ça. Donc par là, il y a des medikits. Donc si on peut passer en force, mais il faut connaître le chemin par cœur quoi. Oh merde, le jeu a compris que j'étais bloqué. Ah merde. Bon. Pas grave, vous avez vu comment on fait. Faut surtout pas tomber dans les bacs sinon on meurt, il me semble de mémoire.
Bon, par là, bloqué, donc par là. C'est un labyrinthe. Donc il faut passer par là. Ça, nous avons qu'on puisse pas sauter dessus, donc il faut descendre ici. Ça, c'est ça. Faut monter, faut descendre ici. Ok, faut de mémoire descendre ici. J'ai juste rangé mon. Hop, j'ai rangé ça parce que de toute façon ça m'est pas utile. Ici, il va falloir s'accroupir. Ok, vous avez vu la route, je pense que tout comme moi. C'est ici, ici, ici. Faut faire un peu de funambulisme. Non. Somnambulisme, non non plus. Si si c'est ça, funambulisme. Ouais, ici j'ai pas forcément confiance. Bien passé. Moi, je vous propose, c'est ici, c'est une zone safe, visiblement. Un petit coup d'F5. Voilà. Ok. De nouveau F5. Et je quitte à faire. Non, 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 non. Je re-sauvegarde sur ma partie réelle. Enfin, sur la sauvegarde de. Ah oui, d'accord, j'ai pas vu, mais en fait les tuyaux coulaient quand on était dessus. Bon, ici il y a de l'eau, je me fais pas trop de soucis. Ouais, j'arrive, j'arrive, j'arrive. J'arrive, j'arrive. Je serai le seul à survivre. Quoi qu'il allait peut-être mourir, hein, de toute façon. Hein. Bon, je vais sauvegarder il y a peu de temps. Ok. Pas de soucis. Oui, finalement, je tue tout le monde. Hein. Il a même pas compris ce qui s'était passé. Et parfois je suis un peu le sadique. Ah, il est encore en vie lui. Et parfois vous avez quoi? C'est vraiment le sadique. Genre? Ah non, j'ai cru que ça allait passer, mais. Ah non, putain, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oh non, c'est dégueulasse. Je suis sincèrement désolé. Bon, allez, on va faire la partie la plus chiante.
Les steaks. Alors là, âme sensible s'abstenir dans la boucherie, hein, parce que là, justement, là, si je vous ai fait une boucherie, c'est un petit peu pour vous donner un peu le goût de la suite du jeu. Parce que c'est vraiment là qu'on va rentrer dans le gore. Mais dans le gore, réel, quoi. Le vrai gore. Donc, encore une fois, âme sensible, s'abstenir. C'est quoi ce bordel? Je peux jouer? Je peux jouer? Non, c'est pour les flingues. Voilà, allez, hop. Aimez-vous les uns les autres, bordel de merde? Bon. Ok, y a rien dans les chiottes. Lol. Bon, ça c'est bon. La route, asile. Genre, il y a un asile ici. Je veux voir l'asile. Je me souviens plus du tout de l'asile. Ah, c'est là qu'on a enfermé là. D'accord, ok. D'accord, ok. Je me souviens plus s'il y a une mission là-dedans. En tout cas, moi, ça me rappelle des choses. Mon Dieu! Elle twerk! Elle twerk! Mon Dieu, mais le twerk n'était pas inventé à cette époque! Non, c'est un ajout, ça. C'est un ajout avec la nouvelle version. Mon Dieu, cette femme twerk. Bon, le cas ici. C'est quoi ça? Le troisième œil? Scopa ou pineal gland? Ok, d'accord. Je sais pas ce que c'est que la pineal gland, mais... Mon Dieu, cette femme twerk. Yeah! Vas-y, poulette! On arrête son délire ou pas? Qu'est-ce qu'il y a dans les autres? Bon, bah elle est sortie de l'asile. Madame est guérie, vous voyez? L'urine résout tout. Mon Dieu. Oula! Ce fauteuil était tenté. Ok, alors ça, qu'est-ce que ça fout dans un putain d'asile? Je pose la question. Je suis trop con. Mais genre, c'est officiel, quoi.
Mais bien sûr. J'ai oublié le réflexe qui sauve la vie. Se pisser dessus. Quoi ça? Bon ben on a fait le tour de l'asile, mais dans l'extension dont je vous parlais au début que je n'ai plus malheureusement, enfin non, heureusement en fait, ouais, je ne l'ai plus, il y avait le... On était enfermé dans l'asile au départ. Ok mec, tout va bien. Qu'est-ce qu'il fait avec ses mains? Hein? Wow. Tu fais des trucs bizarres mec. Tu te téléportes et tout là, c'est pas normal. Le mec il se téléporte. Attendez, attendez, c'est... Est-ce qu'il va le refaire? On dirait qu'en fait, ils ont mis ici des personnages buggés. C'est assez étrange. Ok, ça j'en suis plein. Qu'est-ce qui se passe si je le kick? Bah je vais guérir les fous moi. Est-ce que notre copine twerkeuse est revenue? Bah voilà. Moralité de l'histoire, quand vous voyez une tarée qui est en train de twerker, vous lui pissez dessus. Non, je rigole. Je plaisante, bien sûr, je plaisante, fais pas ça, mais... monsieur, monsieur, vous pouvez m'expliquer pourquoi il y a des gens qui twerkent... Eh, hey, monsieur, mais... Pourquoi vous m'avez fait ça? C'était pas gentil. Et alors tu m'as... Oui, mais toi aussi tu m'as fait mal. Pourquoi tu m'as fait mal? Monsieur, pourquoi tu m'as fait mal? Pardon, excusez-moi. Voilà, ce jeu a un impact sur la santé mentale, hein. Il faut que vous soyez au courant. Vous avez une hache, jeune homme. Je... Prends ça. Ouais. Oh. Ah non, 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 lui aussi, il a la maladie du twerk. Mon Dieu. Et là, il se prend pour Gilbert Montagnier. Quoi? Il a shooté dans la tête du mec? Non, sérieux. Ok, d'accord. Je suis collé à lui, il a sorti sa hache, il a commencé à me taper dessus. Il m'a fait un point de dégâts, le mec. Vous y croyez, vous? Le mec a une putain de hache et il tape, mais... Boum, à toi, un coup de hache. Bon, Ah ouais. J'aime bien le parc de l'asile. Merci pour ta thune.
Toi, essaie de tirer sans ton bras. Bon. Bon, on a perdu la twerkeuse. Dommage. Bon, en gros, là, je crains plus personne. Franchement, avec les armes qu'on a, je crains plus personne. Bon, allez, ça, c'était le petit tour à l'asile. Je pense que ce jeudi sera en deux parties. Sincèrement, vu le temps qu'on y passe... Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, je viens de voir l'heure. Ouais, on va y passer... On va faire ça en plusieurs... Meet me at Meet World. C'est ça, hein, c'est par là. C'est par là. Bon. Mon dieu. Il y a des personnages qui se téléportent et des twerkers et des twerkeuses. Mon dieu. I feel like shit. Oh merde. Salut les mecs, salut les mecs, salut les mecs, salut les mecs. Un coup apparemment. Ah non non, c'est le non, c'est mon cœur qui s'emballe je crois. Ah, ça a eu le temps de donner l'alerte. Comment t'as pu choper ta radio avec un bras en moins? Bon. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a un bâtiment qui n'est pas noté sur la carte. Les deux notes. Merci beaucoup. Je suis pas buté, il a un t-shirt de portal. Lui non. Madame, votre jambe est buggée. Moi je vois qu'une solution, s'amputer. Bon alors, on va arrêter peut-être les conneries. Qu'est-ce que je voulais? Oui. Ça. Voilà. J'ai des donuts. Hey kid, your parents are going to die. Make sure they're prepared with a policy from Fee, alors Fee, je sais pas, of America. Alors, et les enfants, tes parents vont mourir. Sois sûr qu'ils soient préparés. Ah d'accord, ok. Sois préparé à une assurance vie avec... Et puis ça, c'est le nom en fait de Fear of America. Ça doit être une assurance... Fils doit être... Non, c'est pas assurance, mais... Apparemment, c'est une police vie. Meet World. Toi, t'es mort. Je sais pas pourquoi. Juste comme ça. Il y a trop de monde dans cette rue. Il y avait trop de monde dans cette rue. T'aurais pas un nouveau gilet pare-balles par hasard? Non, ah, par contre t'as ça, mais ouais, mais ça n'est pas utile. Ok. Bonjour madame. Au revoir madame.
Alors grande cette maison, j'espère qu'il y a un gilet pare-balles dedans. Voilà, merci pour ta thune. Non, ok. Donc pas de gilet pare-balles ici aussi. Bon, bah ça fait rien. On va faire avec 73% de gilet pare-balles. Arrêtez de vous battre! Alors Meat World, ah bah c'est là, c'est juste là en fait. Allez, on va y aller. Give her your meat. Donne-lui ta viande. Mon dieu. Mon dieu, je veux. Oh mon dieu, j'ai jamais vu ça. Meat Love, ok d'accord. Bon, celle-là elle est plus soft. Meat Love, ok d'accord. Teach your children the fact of beef. Ok. Hey Ayatollah, how about some service over here? I need some steaks for the Psychotic Friends Network barbecue. Crap, now I'm gonna have to find it myself. They probably keep them in the back room. I'll bet that door is unlocked. Alors, quand je vous dis attendez-vous à du gore, je vous dis attendez-vous à du vraiment gore. Donc, en gros, on a le choix entre attendre. Mais vous pouvez toujours attendre. Soit passer par la porte. Alors, attendez, on va juste ranger ça pour le moment. Et on va lire un petit peu ce qu'il y a là-dessus. Alors, Sausage Link, Missing Link, Bat Nuggets. Nuggets de cul, ok d'accord. Alors, Prairies, Osterer, Oyster, je sais pas ce que ça veut dire. Aggie's Pie. Alors, pie, c'est une... C'est une tarte. Hein. Bon, Aggie's, je sais pas ce que c'est. Kosher Pork Roots. Ok, d'accord. Donc ça, c'est du porc, mais d'accord. Alors, Primanto Hawk. Ok, d'accord. Stuffed Dallo. Asian Surprise. Ok, d'accord. Patricie Derme. Ok, voilà. Nice Rack, California Sandwich, donc sandwich californien. Kitten Livers. Je sais pas ce que c'est, mais Kitten, ça fait penser à chat, donc... Loose Gauze. Le dernier, c'est Ugly Fucking. Ok, d'accord. Chitlin Shuffle. Blood Sausage. Unicorn Rump. De la viande de licorne. Ok, d'accord. Tousser Shake. Dangler Salami. Dangle Berries. Spotted Dick. Spotted Dick. Non, en fait, il y a des... En fait, il y a une carte, mais elle est... Mais il y a de temps en temps des mots, en fait... Midbeat Manifesto, ok d'accord, bon ça va standard, Midbeat Helmet. Genre un casque de viande, ok d'accord. Mushroom Tips, Footlong Aider, What's a Bit, Chili de Money Brain, d'accord, donc ça, ok. Chocolate Children. Chocolate Children. Ah non, Chicken. Ah ok, j'avais mal lu.
Bon, donc c'est du poulet choqué, donc ok. Ah non, j'avais compris Choked Children. Donc enfant choqué quoi. Troubling Arcoke, ok d'accord. Et Stuffin' Beavers, ok. Donc, bon bah allez, on y va. Je reprends juste ma machette, on va y aller à la machette. On va y aller à la machette et... pourquoi? Pourquoi est-ce que la lumière bouge sur les murs avec mon personnage? Et voilà la viande. Bon, j'ai l'impression que le son du jeu est encore trop fort, mais malheureusement je peux pas diminuer plus, sinon je le coupe complètement. Bon, le but c'est d'aller se chercher 2-3 secrets cachés. Voilà. America, fuck yeah. Non, malheureusement je peux pas prendre, mais voilà, la bouffe que je dois prendre elle est juste là. Hein. Bon. On va se prendre le fusil d'assaut quand même, parce que la machette ça va bien devenir quoi. En plus, je suis pas du tout en fin de mission. Mais... Je suis full munition avec grâce à la machette donc voilà. Bon, j'ai été chercher mes 2-3 steaks. Voilà. Le truc, c'est que quand je vais sortir, évidemment, bah, je vais me faire... Oh merde, les flics. Le truc, c'est... Alors, je me pose une question, c'est les flics, est-ce que... Non, je pense pas. On va se prendre la machette. C'est ce qui est le plus efficace. Même contre les flics.
Apparemment, non, les flics ne veulent rien. Hein. Ben non, je suis en habit de flic. Apparemment, c'est bon. Je peux rentrer chez moi, peinard. En fait, je suis sûr que je me fais pas rechercher depuis le début parce que je suis un habit de flic. Hein. Donc tant qu'ils me voient pas descendre un de leurs coéquipiers. Bon, je peux récupérer quelques munitions. Ouais. Mais je suis déjà à fond, quasiment. Ouais, je suis à fond pour beaucoup de choses. Donc, ouais. Mais ouais, donc c'est parce que je suis un habit de flic que je suis connard en fait. Il a rien vu. Lui par contre il est en train de pisser sa mère. Donc, voilà. Voilà. Donc on a les bouchers en ennemis.